Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur le Gozer Super Boss. Une vidéo où on va aller tester et parler déjà de deux teams. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo-là. La vidéo où on va aller faire du score et tout ça arrivera dans quelques jours, puisque mes teams ne sont pas encore vraiment optimisés pour aller taper des gros scores. J'ai beaucoup d'optimisation de certains personnages à faire. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous également. On est en pleine phase d'expansion sur la chaîne et je vous réserve pas mal de grosses surprises dans l'avenir assez proche. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Et vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs. Tout ça, ça se passe sur Utip. Vous regardez quelques pubs, moi ça me crédite quelques centimes, c'est gratuit pour vous. Et moi ça m'aide à améliorer la chaîne et son contenu. Le lien est également en description. Du coup, la première team que je vous propose, c'est tout simplement la team que je vais utiliser pour aller faire du score un petit peu plus tard. Donc la team qu'il va falloir que je me penche pour optimiser. Objectif 165 000 CC. Donc encore 20 000 CC à prendre. Alors là, ne vous attardez pas sur les CC ni sur tout ça. L'équipe est pas stuff comme il faut, loin de là. Il y en a deux seulement de stuff en principal. Le Arthur est pas mauvais, mais le Hauser a besoin d'un gros travail. Là où c'est intéressant de regarder cette équipe, ça va être tout simplement les subs qu'il va vous falloir et les personnages. Le Hauser va faire de l'attaque AOE, donc va empêcher le Gozer de repartir en spé. La Lilia, elle est essentielle sur ce boss. La Lilia va tout simplement vous permettre d'enlever l'ultime au Gozer, va vous permettre de partir en AOE, va faire des dégâts. Enfin, c'est le personnage essentiel à cette team, tout simplement. Le King va lui vous amener du heal et du clean. C'est-à-dire qu'il va enlever tous les debuffs que le Gozer vous met, et en plus, il va vous soigner. Donc, très important. En plus, son ultime est également en AOE, donc assez intéressant d'avoir le King. Le Arthur, bah le Arthur est là, mais clairement, s'il ne serait pas là, faut éviter qu'il arrive sur le terrain. Donc comme vous le voyez, mon Hauser est 70, il va falloir que je voye pour l'augmenter aussi, donc il va falloir que j'aille farmer un petit peu de ressources, il va falloir que je récupère des golds, parce que là je suis à sec, et il y a encore les pendentifs, et seulement il m'en reste encore 5 à récupérer. Donc il faut vraiment que je les récupère pour pouvoir évoluer mon Hauser. En sub, je suis parti sur Jericho bleu pour Hauser, spé 6. Sur le Hendrickson vert pour Lilia, à savoir qu'il amène du vampirisme, donc des possibilités de se soigner un petit peu, de récupérer de la vie, très important. Donc vraiment, Hendrickson vert, assez intéressant à mettre en sub. Ensuite, je suis parti sur le Gozer vert pour King, tout simplement, parce que c'est mon Gozer qui a le plus de spé monté, et il fait clairement le taf. En plus, vous voyez qu'en termes de PV, c'est vraiment la team, le duo, on va dire, de la team, entre guillemets, le plus près. On n'y est pas encore. Hein. Là, en attaque, je manque un petit peu de puissance. Je devrais être aux alentours de 9-10 000 pour chacun de mes persos. En défense, je dois être aux alentours de 7-8 000 sur cette team-là, pour qu'elle soit viable. Et en PV, je dois être aux alentours de 100-110 000 pour chaque. Donc clairement, il y a beaucoup de travail sur cette team-là. C'est pour ça que je ne la joue pas à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore fait de score sur le Gozer Super Boss. Et pour le moment, je me suis donc rabattu sur ma deuxième team, qui est elle aussi assez viable, qui passe très bien, qui va être la team la plus simple, entre guillemets, à mettre en place pour pouvoir le faire, et celle que je vais vous montrer en exemple à la fin de cette vidéo. Donc on part avec Elio Bleu qui va vous faire des dégâts et va, en plus de clean vos debuffs, vous rendre un petit peu plus fort, elle va vous buff, donc très importante. En somme, je lui ai mis Melio Bleu, c'est avec Melio Bleu qu'elle marche le mieux, et vous voyez qu'en fait, en termes de stats sur le personnage, comme je vous ai dit sur la team adverse, je suis déjà plus près avec cette team-là. Tout ce qui est PV, on est quasiment bon, tout ce qui est def, on s'approche, et tout ce qui est HP, on est beaucoup mieux, en attaque, pardon. Ensuite, j'ai pris Lilia, même raison que tout à l'heure, en sub, je lui ai mis Merlin verte. King bleu, je lui ai mis Diane bleu en sub, et là, clairement, je peux également changer. Si je veux le King, je peux très bien lui mettre le Gozer, donc mon Gozer vert qui est là. Vous voyez que je perds de l'attaque et de la def, mais ça peut être un meilleur sub également. J'utilise encore la Lilia, la Gila bleue, pardon,
en sub du Marmas, qui lui va m'amener son, son passif de 30% de PV en plus pour tous les bleus. Voilà la team que je joue à l'heure actuelle, la team avec laquelle j'ai récupéré le skin de Gozer. Donc, on va regarder mon Gozer rouge. Vous allez voir, il a déjà le skin d'équipé, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va partir faire une petite run. Alors, je ne vais pas aller en L pour le moment. Le but de cette vidéo, c'est de s'adresser réellement à tous les joueurs, des joueurs un peu plus récents qui le feraient, des joueurs qui n'ont pas tout compris sur le Gozer Super Boss. Et bien sûr, il y aura la vidéo avec du score, il y aura des tactiques in-game, il y aura plein de choses qui vont arriver dans les tout prochains jours. Là, on va partir en extrême, qui donne une difficulté intermédiaire. Comme je suis assez haut en termes de CC que je vais attaquer en premier, je pars en nourriture perforation. Et on est parti pour cette première game. Donc il y a toujours une petite part d'RNG, mais dans l'autre team, le Hauser casse un petit peu cette demande de RNG, dans le sens où il fait que des attaques AOE. Et au deuxième tour, si vous ne mettez pas une attaque AOE ou une attaque sur chacun des trois adversaires, vous allez tout simplement perdre le match, puisque le Gozer va se soigner, et ça devient très compliqué de revenir une fois qu'il s'est soigné. Donc on va lancer la petite game, on va faire celle-ci, et j'espère que ça pourra aider les joueurs un petit peu plus bas, ou ceux qui n'ont pas compris la mécanique et tout ça. Et puis je vous dis, on fera très très vite tout ce qui est vidéo score, grosse technique. Donc dès le début, pensez à enlever tout de suite le mode auto, sinon il part en auto. Et d'aller focus le Gozer. Pour l'instant, je vais taper avec le Heliok bleu, avec le King. Pour l'instant, je peux taper en mono cible. Et je vais taper avec Lilia, histoire de faire un petit peu de dégâts tour 1. Hop. Donc là, voilà, on lui a rentré premier tour pas mal de bons dégâts. Vous avez également la liste des missions à faire, hein. Faut pas hésiter à la regarder, voir pour aller grappiller quelques points. Donc j'ai une très bonne défense sur cette team-là. Vous avez vu que j'ai fait pas mal de fois patience. Là, on a des petits debuffs. Donc je vais utiliser King pour me clean. Je vais rapprocher de quoi me soigner avec Lilia, mais je vais pas l'utiliser là. Et je vais taper avec Heliok bleu. J'obtiens l'aspect d'Heliok bleu. Là, il va partir en spé. J'ai pas tilté de lui enlever sa spé. J'aurais pu. Alors, au premier tour, vous pouvez la laisser. Au deuxième tour, essayez vraiment de clean l'aspect. Lilia, avec sa carte argent ici, va vous aider à enlever l'aspect du King. Donc là, je vais commencer par me soigner. Très important. On va gratter un petit tour encore. Histoire de bien se mettre en place. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal, hein. Ok. Le Gozer, hein, qui met de quoi... Des petites tatanes, des petits debuffs. Là, le mob a activé son bouclier. Si je mets une attaque mono-cible comme la Heliok, ça va aller sur le mob et pas sur le Gozer. Donc déjà, je vais me clean. Je vais me donner un petit coup de soin. Et je vais partir avec l'attaque spé de Lilia. Tout simplement parce qu'elle va attaquer en AOE. Et le mob ne pourra pas combler avec le bouclier. Là voilà, je suis parti une première fois en spé avec Lilia, je le tue pas, je lui enlève ses sphères de spé, donc il ne me remettra pas une deuxième spé. Tant qu'il y a le bouclier comme ça, je ne peux pas attaquer en mono cible. Ok, il a toujours le bouclier. Donc là, je vais pas m'embêter. On va juste faire ça, faire un proc un petit peu plus l'aspect de Lilia un peu plus vite. Je l'ai tué de toute façon ce tour-là, donc c'était
c'était volontaire, aussi de gratter quelques sphères, quelques gemmes. On arrive à la phase 2 du Bowser Super Boss. La phase où il va falloir lui mettre de la OE à chaque fois, sinon il se soigne. Si clairement vous arrivez pas, vous prenez cette team là et il y a un petit peu plus de RNG, parce que si vous n'avez pas de carte à OE, bah clairement le Gozer va lui pouvoir se régène complètement. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais partir comme ça. Je vais partir comme ça et je vais partir avec la Lilia pour mettre mon AOE. Je veux vraiment taper très vite, assez fort. Ok, ça c'est fait. Lilia qui valide, donc sur ce tour-là, il ne reprendra pas ses PV. J'ai une carte de Lilia, c'est très très bien. Et là, vous voyez tous les petits debuffs que j'ai. Et ben, je vais tout simplement les clean grâce à la carte d'Eliok. Ensuite, je vais partir avec la OE de Lilia et je vais partir avec la carte de King, tout simplement pour faire un petit peu de dégâts. Là, j'enlève tous mes debuffs, je mets des bonus. Lilia qui attaque et du coup valide les PV perdus, donc pour l'instant il ne se régénère toujours pas. J'ai l'aspect de Lilia, j'ai l'aspect de King. Les deux font des spés en AOE. Donc avec ces deux-là, je suis très bien pour tout simplement me sauver, on va dire, sur ce coup-là. Donc là, je vais mettre un clean, très important. Je vais mettre l'attaque de King. Et je vais mettre l'attaque de Hawk, ce qui me permet d'avancer tout. J'ai pas mis l'attaque de Lilia, c'est volontaire. Je gratte un petit tour, certes, mais ça me permet, au cas où je le tue pas, ou au cas où qu'il y avait un petit problème, d'avoir une AOE, voilà. Si clairement, il avait plus de vie, Lilia serait ma seule attaque AOE à ce tour-là. Et c'est la seule qui me permettrait, du coup, de pouvoir l'empêcher de se régénérer. Donc là, je vais mettre sur Lilia, je vais me clean et je vais balancer la OE pour le terminer. Comme vous le voyez en extrême, la team que je vous ai présentée là fait le taf sans aucun problème. En termes de points, j'ai pas cherché à faire beaucoup de points. Le but, c'est vraiment de montrer une team qui le permette assez safe pour aller chercher les récompenses. Et on verra tout ce qui est team à points, tout ce qui est aller taper le enfer et tout ça un petit peu plus tard. J'ai fait 1342 points sur cette run-là. C'est pas ouf, mais ça permet, voilà, d'avancer. Comme je le dis, il y a un petit peu de temps quand même pour faire le Gozer Super Boss. Optimisez vos teams et allez chercher vos points un petit peu après. Sachant que là, il faut être aux alentours de 3500 points pour rentrer dans le top 5%. Donc si clairement vous voyez que vous n'y arriverez pas, plutôt que vous mettre en eau ou quoi, favorisez le temps. Sur la boutique là, comme vous voyez, je cherche pas à l'heure actuelle les points. Je suis top 32%. Avec l'autre team, je suis sûr que je peux faire plus loin, mais je l'ai pas encore testé. Et à l'heure actuelle, bah, je me focus sur la boutique. Donc j'ai déjà pris la tenue du Gozer. Il y a les enclumes, il y a les pierres d'éveil qui sont très importantes. Il y a les coffres, bien sûr, les cornes. Il y a tout ça à récupérer et je vous conseille réellement d'aller absolument tout récupérer. La perso, j'ai aussi besoin pour éveiller de pierres, donc je vais les prendre tout de suite, ces deux-là. Et donc, la boutique est valable 14 jours. Ça, c'est très important. Ça vous laisse vraiment le temps d'aller utiliser vos points. Et le Gozer Super Boss, si je ne dis pas de bêtises, est également disponible pendant 14 jours, encore au moment où j'enregistre. Donc là, vous voyez un classement, 4500 points, les premiers. Il joue avec la première team que je vous ai présentée et Merlin Bleu. Alors, personnellement, Merlin Bleu, je ne vais pas la monter pour ça. Et derrière, vous avez typiquement la team que je vous ai présentée. Alors là, si on regarde, voilà, c'est Lilia, c'est Hauser, c'est King et c'est Arthur. Donc clairement, si vous cherchez à les scorer et que vous n'avez pas énormément de ressources, attardez-vous sur la première team. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire la première team, mais que vous voulez au moins récupérer les events, les objets dans la boutique d'event, et bah attardez-vous, comme je l'ai fait là avec la deuxième team, faites vos try et après cherchez les points si vous le pouvez. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo 7 Deadly Sins. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu aider
pas mal de joueurs débutants ou très peu expérimentés ou ceux qui auraient du mal à comprendre quelques petites mécaniques importantes. N'hésitez pas à me rejoindre quand je suis en live, on peut en parler et je vous prépare bientôt, très très vite, les vidéos pour le score. Sur ce, je vous laisse là, prenez soin de vous. Ciao.